Bonjour, aujourd'hui au congrès de l'ADF, on va avoir une séance sur la communication et pour une fois, particularité au niveau de la communication, savoir dire non. Pouvez-vous nous dire comment on peut dire non à un patient? Bien, en fait, il y a deux problématiques. La première, c'est écouter son patient, connaître sa demande et savoir pour quelles raisons il vient consulter. Et puis, la deuxième problématique, c'est savoir donner notre avis d'expert et ne pas suivre forcément la demande du patient si ça ne va pas dans son intérêt. Dans cette séance, on a réuni trois experts, un orthodontiste, un implantologiste et un parodontiste, pour que chacun puisse nous dire dans sa partie quels étaient les cas où justement ce problème allait se poser et comment ils allaient pouvoir dire non aux patients, aux confrères. Donc chacun d'eux va nous donner ses solutions dans sa partie. Il faut s'appuyer sur le scientifique parce qu'il y a des écrits, il y a des études, il y a des choses qui sont reconnues dans la profession comme étant bonnes et d'autres moins. Et puis évidemment, l'expérience du praticien qui sera, on apprend avec ses erreurs. Mais il ne faut pas renouveler les erreurs trop souvent. Donc si on a l'expérience qu'une décision n'est pas forcément la meilleure, on va le voir justement avec l'orthodontiste, le docteur Le Gall, qui va nous montrer que quelquefois, certains plans de traitement, qui peuvent être très adaptés pour certains patients, ne le sont pas pour d'autres. Et là, c'est l'expérience, la sensibilité du praticien qui va faire reconnaître des signaux d'alarme et qui vont lui permettre de prendre la bonne décision. Qu'est-ce que vous pensez des sociétés commerciales qui poussent le patient à effectuer certains traitements? Le problème des commerciaux, on va un peu plus le mettre en avant dans la conférence sur l'implantologie, car en orthodontie et en parodontie, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse pression des laboratoires, plus en implantologie, où les laboratoires peuvent quelquefois mettre un peu la pression sur le nombre d'implants, par exemple. Et on peut penser que certains praticiens, quelquefois, ont du mal à ne pas proposer des implants. Et c'est à eux de savoir effectivement dire non. Et je pense qu'ils le font très bien. Mais la seule chose, c'est de bien présenter les choses et de, encore une fois, expliquer aux patients pourquoi le praticien ne va pas mettre 6 implants, mais uniquement 4, parce que c'est mieux pour le patient.